24 janvier 2020, place de la République. Nous sommes en queue de cortège, il n'est pas encore parti de République. On s'est battu pour la gagner, et on se bat pour la garder. La retraite, elle est à nous. On s'est battu pour la gagner, et on se bat pour la garder. Non, non, non. Au fond, pension. Oui, oui, oui. À la répartition. Et non, non, non. On s'est battu pour la gagner, on se bat pour la garder. La retraite, elle est à nous. On s'est battu pour la gagner, on se bat pour la garder. Non, non, non. On s'est battu pour la gagner, on se bat pour la garder. Ouais, ouais, ouais. Alors, retraite. On n'en veut pas, vous en voulez, vous, de cette
cette retraite. Non, pas cette retraite. Survivre, même si c'est de nos jours en 2020, il y en a beaucoup qui survivent. Il y a plus de 9 millions de pauvres, plus de centaines de milliers de nouveaux pauvres depuis que Macron est là. Un piètre président. Aucune empathie pour le peuple, pour les gens morts, pour les gens blessés. Non, aucune empathie. Pensons à Zineb Redouane. Pensons à Steve, pensons dernièrement à Cédric Chouvia. Il y a d'autres personnes aussi, il y a tous les blessés, tous les éborgnés, les plus de 25 éborgnés, mains arrachées, tous ceux qui ont été blessés gravement. Et que dire de tous ceux qui sont emprisonnés, supposés pour des délits d'outrage, alors que c'est des délits, pour moi ce sont des délits politiques. Retrait Macron, piètre président. Retrait Macron. Là, nous avons les avocats. AXA, à vivre.
grève générale. Les avocats, t'as vu tous les avocats? Caroline Marquerie. Je connais la personne qui passe sur Facebook, la personne qui parle. Elle est pas mal pour la PMA et les BPC. Parce qu'elle défend les. Elle fait un peu. Elle défend, il y a un peu de tout quoi. Elle fait un peu de tout. Au niveau des problèmes des couples, des fois, ça arrive, ils se séparent, il y a des problèmes. Philippe, la voie démocratie, c'est un référendum entre autres. Oui, c'est un référendum entre autres.